Bonsoir, nous sommes vraiment contents pour nous ensemble avec nous pour nous continuer avec l'étude leçon nous, que nous faisons chaque jour. Jeudi, c'est une nouvelle leçon. Côté, nous allons commencer avec leçon 2. Avant, nous voulons remercier chaque monde qui partage la leçon et que bon Dieu continue à bénir ou que le travail, ça ou participer là-dedans, il est capable de porter grand fruit dans la vie. Maintenant, l'origine et la nature de la Bible. Verset où nous avons dans la tête, nous jouons dans 1 Thessaloniciens 2, verset 13, il dit: c'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement, comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Frères et sœurs, yo, parole bon Dieu, hein, je nous prends, c'est comme ça, les vini dans la vie. Là, nous, ouais, apôtre Paul, qui était à parler à chrétien Thessalonique, qui, apôtre Paul était vraiment content parce que, les, ouais, et chrétien, yo, t'es recevoir parole là exactement pour la parole de Dieu. Yo te recevoir parole là, c'est parole de Dieu. Yo pas te considérer c'est des paroles Paul, yo pas te considérer c'est des paroles Jean. C'est même Jean moi-même ensemble avec vous. L'en appeler la Bible, nous pas supposer considérer ça n'appeler tant que parole Moïse, tant que parole Pierre, mais c'est la parole de Dieu. Deuxièmement, faut qu'on accepte par la foi, la Bible c'est la vérité. Si ou a étudier la Bible, ou pas qu'à venir avec une idée préconçue, comme si ou dit ton gros bagage dans tête tout. Et comme si vous doutez, vous venez, vous doutez. Il y a des gens qui ne croient pas dans la Bible. Ce n'est pas tout le monde qui croit la Bible, c'est la vérité. Ce n'est pas tout le monde qui croit que bon Dieu qui crée tout le bagage. Nous avons fait une vidéo sur ça qui parlait de question évolution. Les gens qui croient dans l'évolution, et puis nous avons prouvé que ce n'est pas un bagage qui a aucun fondement, mais yo par la foi, yo même yo croient là-dedans. Et bien la Bible. Pour accepter la Bible, c'est la vérité. Pour accepter la Bible, c'est la vérité. Faut qu'on croie par la foi. Faut qu'on ait la foi dans bon Dieu. Que bon Dieu capable de faire ça, il fait. Faut qu'on ait la foi que la Bible dit bon Dieu parler dans le cerveau prophète. Faut qu'on croie que ça fait de vous. Ça, parole là, a fait effet pour le faire dans la vie ou dans la vie moi-même ensemble avec. Et les paroles à faire et faire dans la vie, nous sommes capables de tirer grand profit dans ça, frères et sœurs. Et dans l'introduction de la leçon 1, ils montrent nous, même gens ou pas qu'à utiliser formule chimie pour résoudre problème mathématique, ou pas qu'à comprendre histoire, ou pas qu'à comprendre et physique, même gens, et bien c'est même gens, la Bible. Il y a trois formes d'interprétation. Premièrement, il faut être d'accord, la Bible c'est la parole de Dieu. Ou même quand vous étudiez la Bible, premier bagage pour comprendre que la Bible c'est la parole de Dieu. Ça va plier, c'est la parole de Dieu. Ça va plier, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas une parole comme si un monde écrit, mais c'est bon Dieu utiliser des mondes pour être capable de parler ensemble avec vous. Et puis, moi, ensemble avec vous, nous devons comprendre que la Bible, c'est tant qu'il y a une lettre d'amour, c'est tant qu'il y a une lettre d'amour que bon Dieu a adressé ensemble avec nous. Parce que dans toute la Bible, bon Dieu a expliqué nous, côté bon Dieu a montré nous comment lire, mais nous, frères et sœurs. Semaine ça, nous pourrons rentrer en profondeur pour nous examiner, pour nous pourrons rencontrer quelques bagailles qui montrent nous vraiment. La Bible, c'est la parole de Dieu. Nous souhaitons participer ensemble avec nous, continuer à partager le son pour l'autre monde capable de bénéficier de l'étude. Ça. On va nous laisser tête pour nous prier. Bon Dieu, Papa, nous prions là, notre merci. Merci pour ce que vous avez voulu parole pour nous, qui montrent nous que nous devons comprendre la Bible tant qu'on lié vraiment qui c'est parole de Dieu. Tant qu'on lié, merci que parole soit capable de nous faire passer un très bon moment.